Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente quand je vous ai présenté donc le banc de réglage, il fallait d'abord donc terminer le châssis donc X10, donc tout le remontage parce qu'elle a été entièrement démontée et révisée. Il y a eu pas mal de pièces qui ont été remplacées parce que c'était un ancien modèle et elle n'était pas en très très bon état, donc on a quasiment tout refait. Donc maintenant, une fois que c'est fait, là il faut la passer au banc. Donc elle en a vraiment besoin. Parce que il y a le train, il est vraiment à la rue complet. C'était une ancienne voiture qui roulait avec une carreau DTM, c'est madame qui s'en servait. Et elle a pris quelques shoots. Donc, on va tout refaire. L'électronique a été installée. On a remis plus ou moins les valeurs des biellettes ici donc d'origine. Là aussi, mais bon, j'ai un petit souci. Je vois que là, ça fait vraiment la tête, contrairement à l'autre. On va faire le réglage. On va voir comment ça se comporte. Mais ça paraît un petit peu bizarre. Donc, comme on a dit, le banc X-Ray. Donc, d'ailleurs, je tiens à remercier Egouin Racing. C'est là-bas qu'on a pris toutes nos pièces, donc chez notre partenaire X-Ray. Tu as deux positions ici, une chose que j'avais pas précisé la dernière fois. Donc en bas, c'est pour le 1/12, en haut, pour le 1/10. Donc comment tu poses ton banc, c'est simple, tu as des petites bagues en aluminium ici à mettre sur ce support. Donc tu viens récupérer, je vais te faire voir, dans ta roue, donc tes roulements, que tu viens poser pour pouvoir serrer ta roue. Ça puisse tourner correctement. Tu en mets un devant, un derrière, et tu viens serrer avec ton écrou, bien sûr, sans trop serrer. Enfin, tu serres à peine pour que ça puisse bouger librement. Maintenant, eh ben on va mettre en route pour qu'on ait tout d'aplomb. Effectivement, c'est pas terrible. Donc il y a avec le cerveau, avec le cerveau droit, on a la voiture qui part sur la gauche. On va modifier ça. On va voir ce que ça donne en modifiant au niveau des biellettes. On va déjà la remettre droite. On va remettre ça correctement. On va prendre les bonnes clés, c'est mieux. C'est celle-ci, c'est pas ça. Je tiens à remercier d'ailleurs vos commentaires sur la vidéo précédente, c'est super cool. Il y a eu pas mal de petites idées. D'ailleurs, on m'a proposé de mettre. Parce que celle-ci, c'est pas dit qu'elle prenne. Le banc prend les 235 mm, sachant que ça va être un des projets de la chaîne pour 2021, de rentrer un 235 mm. Donc, je vais déjà remettre à peu près le carrossage parce que là, c'est pas possible, c'est horrible. Alors, dans quel sens? Toujours un petit peu la galère au milieu, tu sais pas dans quel sens faut aller. C'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Je sais pas comment madame faisait pour rouler comme ça. C'était horrible. Là, ça fait moins la tronche, ça c'est cool. On touche aux galettes, on va déjà voir ça. Carrossage. Sur la notice X-Ray, c'est préconisé d'y mettre 1,5. Habituellement, on tourne avec 2. On va mettre 2, comme à l'habitude. Sur deux,
sais pas si tu vois, tu as tes graduations ici. Donc là, en partant de 0, 1, 2, forcément, t'es comme ça, t'es en négatif. Donc c'est bon. L'autre côté, on est à... Avec la caméra, j'ai du mal à voir. On n'est pas tout à fait sur 2. Donc un petit poil. Là, on y est. De toute façon, on va faire tout le reste. Est-ce que... Voilà, ça va être compliqué. Je vais prendre autrement 35,5. Je crois que c'est 35,7 préconisé sur la notice. Le réglage, c'est toujours un petit peu la galère. Bon, on a la même chose de chaque côté. Là, je peux pas, je suis embêté à cause de ça. Est-ce que comme ça on peut passer librement? Non. On a l'air d'avoir la même valeur de chaque côté. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on regarde bien qu'on a les mêmes valeurs de chaque côté. Là, on a 2. Là, on a 2. Il ne faut pas hésiter à bien rotafin. Enfin, il y a des petits ressorts, hein. C'est pas comme une casse où tu as une suspension hydraulique. Mais bon, il faut quand même pas hésiter à bien la soulever et à la tasser un petit peu. De toute façon, c'est comme ça qu'elle va fonctionner. Donc là, on a l'air d'être bon niveau carrossage. On part sur une base de 2. Maintenant, on va voir l'ouverture. À mon avis, ça va être catastrophique. On a combien? On a 1,5. Et on a 1,5 aussi. Ouais, c'est pas si catastrophique que ça. Oula, non, on n'a plus d'amis ici. Là. Oula. Que se passe-t-il? Ah oui, on a beaucoup plus même. Bon, il va falloir remodifier tout ça, parce que là, c'est pas bon. C'est parti. On va essayer déjà de remettre tout ça droit. Après, on va voir... fini. Alors, il faudra bien veiller à ce qu'on ait les mêmes valeurs à droite et à gauche après au niveau des biellettes pour avoir quelque chose de cohérent. Bien sûr, ça on va revérifier au pied à coulisses à la fin. On est quasiment à 1, on va rester sur 1. Généralement 1,5, enfin vraiment dans le à l'extrême 1,5, mais généralement on met 1. Donc, j'ai toujours mis ça, que ce soit sur les GT ou mes pancars 1/8. Je suis toujours parti sur du plus 1 d'ouverture. Ah, il y a un poil trop.
J'en rajoute, c'est pas bon, c'était dans l'autre sens. Encore un petit poil, on arrive à 1. Bim, encore un poil. Faut savoir que plus la voiture est petite et plus le réglage doit être précis si tu veux que ça roule correctement. Donc là, on est sur 1 de ce côté-là. L'autre côté, et bah du coup, bah on est pile sur 1 aussi. Par contre, ça me pose souci parce que les biellettes vont pas être de la même longueur. Ah, quoique, je sais pas, faut revérifier par la suite. Pour le moment, on a donc deux carrossages d'un côté, de l'autre côté, forcément. Non, ça va, ça n'a pas bougé. Parce que quand tu touches à l'un, l'autre, il part en cacahuète. Donc là, théoriquement, on va être pas trop mal. On va voir ce que ça donne au niveau du braquage. Moins d'angle de braquage de ce côté-là que l'autre. Alors d'un côté, j'ai mis du trim parce que ça venait taper et pas de l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va déjà revérifier ces histoires de longueur parce que là pour moi il y a un petit souci. Donc hop, on éteint la radio. Comme je te disais, donc tu prends tes roulements, tu viens les insérer à l'intérieur tout simplement et tu viens bloquer avec ton écrou. L'autre il est resté dessus. On va démonter l'autre. Après, c'est un vieux véhicule que j'ai acheté d'occasion. Je voulais la remettre en état correctement, mais pour avoir du neuf, ça va être compliqué. Même si j'ai remplacé quand même pas mal de pièces. J'ai remplacé le châssis, tous les roulements, parce que le châssis était vraiment horrible. J'ai remplacé la plaque le pare-choc à l'avant carbone, parce qu'il était fabriqué maison en aluminium. C'était un petit peu horrible et ça avait un poids de ouf. Donc, on va voir. La longueur de nos biellettes, à mon avis, il va y avoir un petit problème. 36 de ici. Et là, on a 35,4. Et ben, c'est pas bon du tout. Donc, ben, on va détrimer la voiture. On va se remettre à zéro sur la radio. On va remettre les valeurs d'origine et on va refaire un réglage. Parce qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met donc son sauve-cerveau à zéro, que tout soit 90 degrés bien droit. Là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Donc,
Ça a l'air d'être centré pourtant. On va voir, on va faire comme ça. Alors, sur la notice, ils nous disent quoi? La longueur des biellettes, on va chercher, c'est ça qui va être intéressant et qui va nous importer. Donc ça va être 35,7. Et on va aller chercher cette valeur. Et après, on verra bien. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Mademoiselle, venez ici. Hop. Cinq, cinq. J'ai peur d'avoir fermé là. Tout à fait. Il manquait pas grand-chose, de toute façon. Yes, 35,7, on les a. De l'autre côté, on va essayer de les récupérer aussi. Là, on va aller dans l'autre sens. On avait 36,3, 35,9. C'est pas pratique du tout quand même. Hop, on a combien là? Toujours, c'est bizarre. Trente-cinq six. On a fait un petit poil trop. Hop. 35,7. On est bon. On a les valeurs d'origine. Donc, ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a ces valeurs-là. On va reposer le banc. Et on va jouer directement comme ça. Alors, comme précédemment dit, pas besoin de serrer comme un sauvage. Au pire des cas, tu vois, tu viens mettre en contact et tu redesserres un petit peu. Un abîmé. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Hop. Allez, on se la refait, mais on moins crispé. La radio est allumée. Ok, là ça part un petit peu inquiétude. Donc on va essayer de trimer un petit peu à l'œil pour qu'on ait quelque chose de droit. On va essayer d'en remettre un peu.
Il y en avait trop. Et demi, et on est quasiment un demi aussi. On en a encore un peu. Donc l'avantage de faire comme ça, c'est que tu es sûr comment ta voiture, et ben quand tu vas la poser sur la piste, elle ira droit. Un petit jeu aussi, alors je sais pas si c'est, je pense que je vais changer le cerveau aussi parce que ça va l'air d'être un petit peu approximatif. D'avoir le sauve-cerveau droit, c'est soit on a le sauve-cerveau droit et on n'a pas le même le nombre de braquages de chaque côté, on est obligé de toucher à la biellette, donc c'est pas terrible. J'insiste, il faut vraiment avoir les deux mêmes valeurs de chaque côté. Là, comme ça, on serait pas trop mal. On est pas mal. On a 1,5 de chaque côté, c'est assez précis, c'est cool. Voilà, on est à 1,5. 1,5. On verra ce que ça va donner comme ça. Au niveau de l'ouverture, si on a trop ou pas, l'avantage de l'ouverture, c'est ce qui va permettre de la calmer en ligne droite. Forcément, on va perdre un petit peu dans les courbes. Niveau du carrossage, on est toujours à 2. Et là, on est à 2 aussi. Donc on peut dire que là, ben, tu vois, hein, c'est hyper rapide, hyper simple. Le réglage, ben, de ce côté-là, était fini. Pas besoin de faire l'arrière. Étant donné que on est sur un arbre rigide, il n'y a aucun réglage à faire. Même principe que sur les pancars, donc un huitième classique non suspendu. Enfin classique non pancar, parce que les classiques généralement c'est du 4-2. On a ce genre de ce type de réglage là sur les suspendus. Je pense que je vous ferai aussi un petit truc comme ça sur les 1/8. Mais là, voilà, pour ce qui est du réglage. Ça me perturbe un peu que le sauve-cerveau soit pas très très droit, mais bon. On va dire qu'on a les mêmes longueurs sur les biellettes ici-là, donc on est bon. Alors, sachant que... Qu'est-ce que ça donne? Là, on est à 10... 20, 28, 28. Là on a un peu plus, c'est normal parce que on vient en buter, donc on va soulager un peu. Ok, là, on a combien? Que 10, 20, on a encore un poil trop, on va se mettre sur la même valeur que l'autre côté. Là, on a 26. Et là, on a 28. Là, on a la même chose. On a le même angle de braquage de chaque côté, ça bute nulle part, on est bon. Donc voilà, je sais pas ce qui était fait honnêtement sur ce véhicule, si les biellettes bah, c'est bien les bonnes ou pas, si elles sont exactement de la même longueur. Visuellement elles ont l'air d'être montées dans le même sens, donc c'est bon.
l'échappe, on dirait que c'est les mêmes. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de reprendre un véhicule d'occasion comme ça, sachant que si tu l'as pas entièrement refait, c'est vraiment compliqué. Là, je pense que de toute façon, pour ce qu'on en fait, pour du loisir, ça ira très bien. Après, de toute façon, ce sera à peaufiner sur place, au circuit, voir comment la voiture se comporte, s'il faut mettre un petit peu moins de carrossage, un petit peu plus, enfin un petit peu plus peut-être pas, mais un petit peu moins. Au niveau de l'ouverture, c'est pareil, peut-être en enlever un peu. Je sais pas, ça sera à faire sur place. Donc voilà, comment se présente, comment on fait un petit réglage avec ce petit banc-là, donc UDI spécifique, un dixième. Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous. Ils savent faire, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut penser aux débutants, ceux qui aimeraient bien apprendre à régler leur voiture aussi comme ça. Si aussi tu es beaucoup plus pointu, n'hésite pas, enfin, au niveau réglage, à mettre un petit commentaire, à t'abonner aussi, c'est cool. Ça fait toujours plaisir. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête, ni pour se la mesurer, uniquement pour partager. Moi, je partage à mon faible niveau. Oui, je sais, je viens de voir que là, c'est dans l'autre sens, parce que là, je peux pas faire forcément. Ça, c'est pour faire ton angle de chasse. Si c'est à l'intérieur, forcément, tu peux pas. On s'en fiche. Là-dessus, je ne le fais pas. Donc, voilà les mecs. Maintenant, ce qui va rester à faire, c'est le réglage. Dégrossir là-bas, là on a fait ça. Ce qui restera à faire sur la piste, bien sûr, c'est le réglage du variateur. Un variateur que je connais pas à la base, qui était destiné à la vente. Étant donné que les ventes, c'est un petit peu compliqué. Les prix sont toujours rediscutés, bradés, sachant que c'est du très bon matériel qu'on vend. Parce que comment ça se passe, enfin, vous savez comment on fait, hein. On achète du matériel, on le teste, oui, on l'achète avec notre argent, on le teste pour vous donner un retour, et après on vous le revend. Donc généralement le matériel qu'on vous revend, eh ben, ça a que quelques packs, c'est encore tout neuf, et généralement, ben, il y a toujours des soucis, c'est jamais content. Alors attention, c'est pas tout le monde, hein. J'ai vendu du matériel avec qui ça s'est très très bien passé, des personnes nickel. Et d'autres, ben, c'est un peu plus compliqué, hein. Il faut tout donner. Donc c'est pour ça que d'ailleurs vous avez autrefois il y avait les petites annonces, les bons plans du garage qui étaient posés en vidéo. C'est vrai que j'en ai pas refait. Pourtant, il y a du matériel à vendre. Il y a du moteur un dixième, il y a des choses. Mais à vrai dire, je suis pas très chaud. Je suis pas très chaud. Hein? Après tout ça, parce que c'est beaucoup après. Beaucoup de mails, beaucoup d'histoires, beaucoup de. Alors que bon, ben, quand tu payes un matériel quasiment neuf, à moins 50%, je pense que tu n'as rien de chose à dire à part te taire. Et si t'es pas content, ben, tu mets 50% de plus et puis tu payes plein but. Voilà, voilà pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, vous avez plus ces petites annonces-là. Je sais, c'est embêtant pour ceux qui sont cool et réglo. Je sais, c'est chiant. C'est encore les bons qui trinquent, bah, pour les mauvais. Mais voilà, c'était préférable de faire comme ça, ça évite beaucoup de soucis par la suite. Le marché de l'occasion, c'est très très compliqué. De toute façon, je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Donc voilà les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se le remonter complet quand même, non? Il restera plus qu'à essayer sur la piste tout ça. Franchement, ça fait vraiment super plaisir de la revoir en route cette voiture, parce que ça doit faire au moins un an qu'elle traîne, démontée en pièces. Vraiment pas cool. Sachant que c'est une bonne petite caisse en plus. Voilà, c'est réglé. C'est serré correctement. Ça, à mon avis, c'est des anciens roulements. On va essayer de mettre du neuf quand même. On va faire ça bien.
Hop. Hop là. Est-ce qu'on change? Je suis où? Je suis. Oui, c'est sûr. Je crois qu'il était Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de voiture, vous allez voir comment ça fonctionne à peu près. De toute façon, je vais vous faire un retour en vidéo quand je vais rouler avec. Tu vois, c'est trop serré, tu mets en contact. Jusqu'à que ça soit bien libre. Il ne faut pas non plus que ça se balade du côté de jeu. C'est pas le cas. On va encore. On est bien. Voyez, voyez les mecs. Comment ça se présente? Celle-ci, elle a reçu quelques petites options. Cette petite X10, elle a le renfort ici à l'avant. Je crois qu'il était en option à l'époque parce que c'est une ancienne. Donc, tu as bien sûr le pod à l'arrière qui est articulé avec l'amortisseur qui est ici à l'avant. Tu vois, avec tes petits retours et tes petits ressorts dessous, ici là. Qu'est-ce qu'on a fait donc pour ceux qui veulent le réglage pour le moment, je sais pas trop ce que ça donne. Là-dedans, on a mis donc de la 10 000 uniquement à remplir les, enfin à remplir, à mettre légèrement de l'huile sur les cannelures pour ceux qui connaissent, qui sont en train d'en faire une ou qui en ont une et qui veulent savoir comment. Donc de toute façon, c'est tout, tout expliqué sur la notice. Tu as des petites fentes et tu as juste à remplir un petit peu d'huile. Après, t'enlèves le surplus. À refaire généralement assez souvent. Peut-être pas tous les packs, mais on va dire à chaque sortie. L'amortisseur, lui, là, il est bridé à mort parce que c'est vrai que habituellement, c'est ce qu'on fait. On vient brider complet. Donc là, on va l'essayer comme ça. On va voir si on a besoin d'un petit peu plus de flex. Et ben, on en mettra un poil plus. Mais voilà. Je trouve que franchement, honnêtement. C'est une caisse, elle est super belle. Je kiffe complet. En plus de ça, c'est très propre. Tout est bien rangé. Et ça marche déjà plutôt pas mal, hein, ces petites choses. Hein. Donc dessus, on a mis un 8,5. On n'est pas parti en cacahuète. Moteur Performa. D'ailleurs, qu'on salue aussi Monsieur Adrien Bertin au passage. Ces petits moteurs qui sont vraiment pas mal jusqu'à présent, qui m'ont vraiment pas déçu. L'option qu'on a rajoutée quand on a remonté la voiture, donc le différentiel à pignon et non à billes. Donc voilà, c'est tout fait tout là-dedans. Là, normalement, tu as une petite flasque avec tes billes sur ta couronne. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, pas grand chose d'autre, hein. Si je crois que ça aussi c'est de l'option. Wally Walou, là elle est toute prête. Malheureusement, une chose à laquelle j'ai pas pensé tout à l'heure, parce que on en discutait avec les frérots et on se disait chouette, on va pouvoir rouler ce week-end, et je ne pense pas parce que elle a pas de carrosserie. Elle a une carrosserie, mais qui est pas finie. J'ai pas eu le temps de faire étant donné que je vais passer les vôtres en priorité. Donc voilà. Tu vois, t'as même tout ce qu'il faut pour ranger ça. Je suppose que tu l'as vu précédemment. C'est vraiment très joli. J'aime bien comment c'est fait. De toute façon, il faut dire que chez UDI, on est rarement déçu. L'avantage, c'est que ces bagues-là, pour éviter de les perdre, on peut les laisser dessus. Je pense pas que ça va venir gêner parce que ça, on est vraiment un rat. Je vais enlever le roulement pour éviter de le perdre. Alors, comme je vous ai dit, hein, les mecs, hein, cette année, ça va être un dixième. On va faire de l'indice. On a quelques petits projets, quelques petites voitures à faire entrer en un dixième.